Aujourd'hui, hein, Jan Ullrich, que va-t-il se passer? Vous allez essayer de l'attaquer ou est-ce qu'il vous a fait une impression si extraordinaire que vous vous dites que ça sera très très dur de le battre? L'avantage pour lui, ça sera encore le contre-la-montre de jeudi ou mercredi. Et après, on essaiera de lui reprendre ça dans les Alpes. J'essaierai, mais bon, je ne suis pas abattu. Hein, les Alpes restent quand même très difficiles et l'Alpe d'Huez à fort pourcentage. Donc je suis encore enthousiaste pour la suite. Merci, merci Richard. Oui, c'est vrai, un tout petit peu désabusé parce que sans doute un peu assommé comme nous tous par la performance de Jan Ullrich, mais il a encore de l'ambition. Avec Gérard maintenant qui nous attend pour Vélo Club. Gérard, bonjour. Belle étape, hein, oh là là. Extraordinaire spectacle là. C'est vrai que c'est parti doucement et c'est bien normal. D'abord parce qu'il y avait l'émotion avec l'hommage à Casartelli en passant. Donc il est évident que personne ne pouvait attaquer avant. Et puis après tout s'est déchaîné. Et là on était accrochés à vos commentaires, Patrick et Bernard. Parce que tout ce qu'on a vécu entre le panache de Jalabert et de Cédric Vasseur et puis tout ce qui s'est passé après, c'est vrai que ça a basculé. Normalement on va tous les avoir les uns après les autres, soit en direct de leur hôtel, soit sur ce plateau de Vélo Club là pour avoir leur réaction. Cédric Vasseur nous a absolument promis de venir. Jan Ullrich doit nous rejoindre aussi pour mieux connaître ce surdoué. Oui. Et puis Jean-Philippe Dojvar, on ne va pas l'oublier non plus, il était sur le plateau hier. Et il y a un petit truc très bizarre. Souvent, lorsqu'on invite les coureurs au Vélo Club, le lendemain, ils nous font quelque chose. Je ne sais pas si ce plateau-là leur donne de l'énergie. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Merci Gérard, on vous retrouve dans quelques tout petits instants. Les rendez-vous donc, le Vélo Club tout de suite. À 20h, le journal de la rédaction vous sera présenté par Benoît Duquesne, 20h40 le journal du Tour sur France 3. Demain dès 11h, autour du Tour sur France 3, on retrouve nos habitudes, on ne sera pas 8h à l'antenne demain, donc on va vous laisser en compagnie d'Autour du Tour le matin et d'En attendant le Tour avec Thierry Blanco. Et puis, alors que Jalabert arrive maintenant, 17 minutes et 15 secondes de retard pour l'instant, alors que les délais seraient de 55 minutes aujourd'hui, il n'y aura aucun problème pour les coureurs, puisque le début de l'étape a été très tranquille. Terrible image que celle de Laurent Jalabert, 17 minutes 30 après Jan Ullrich. Demain, donc, je vous retrouve en direct à 13h pour le journal à Perpignan. Merci d'être fidèle également à notre journal de 13h, ça nous fait plaisir, nous qui vous accompagnons toute l'année. Merci demain, donc, 13h. Merci à Bernard Thévenet. Combien de temps avons-nous passé ensemble? De 9h20, 9 et 8, 17. 8h et 15 minutes. Bon, ça s'est bien passé, hein. Au début, peut-être pas beaucoup d'actualité, et ensuite, il s'en est tellement passé. Allez, place à Gérard et au Vélo Club, rendez-vous demain en 13h, merci de votre fidélité. Hier, entre nous, vous étiez 77% des téléspectateurs à suivre l'arrivée. Je vous assure que ça nous a fait plaisir. Merci. Officiel de pneumatique. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu admettes qu'entre papa et moi, il y a quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, s'il me demandait cette main-là, ou ça, ben je lui donnerais parce que je lui dois tout, voilà. Votre père a téléphoné. Vous pourriez lui demander d'appeler son fils quand il rentre. Je suis sans nouvelles de lui depuis votre départ. Mon père est rentré. Vous attendez votre père? C'est le t-shirt que tu m'as offert pour la fête des pères. Il faut que je t'explique, c'est papa. Qu'est-ce que tu vas encore m'expliquer avec ton père? Ce mec, c'est un sale débile, un enculé. Mais tu te rends pas compte de ce que tu peux être chiant avec ton père? Dépassez votre complexe d'Oedipe avec Jean-Pierre Cassel et Bernard Hierle, mercredi soir sur France 2.
découvrez le temps du Titan avec les montres Festina. Les hommes qui connaissent l'efficacité des sticks de Adorant Williams savent qu'il est important de se sentir frais pour être bien. Être bien protégé toute la journée, dans toutes les situations. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Il est un peu frais, non ? Montmartre FM présente les triomphes de l'accordéon. Un CD, son fascicule, en vente chez tous les marchands journaux. Retrouvez les 15 plus grands noms de l'accordéon pour danser comme au bal. Les triomphes de l'accordéon, le CD et son livret avec le calendrier des bals en France au prix exceptionnel de 69 francs. C'est l'occasion unique pour vous de posséder les meilleurs succès de l'accordéon. Barbe difficile, peau irritée. Menen invente la mousse Protect System. Trois fois plus dense qu'une mousse classique, elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Pour un rasage plus précis et un confort maximum. Nouveau Mousse Protect System, Menen, pour nous les hommes. Avec Panzani, plongez au cœur de la Méditerranée et découvrez Mamaz. Mamaz, l'album des 4 plus belles voix du Sud. Radio Latina présente Planète Brésil. Tous les grands interprètes sont là. La nouvelle génération arrive en trombe. Et Planète Cuba. Avec les groupes mythiques, les grands interprètes et les artistes qui montent. Retrouvez-les chez votre disquaire avec toute la collection Planète. Planète Salsa, Planète Latine, Planète Zouk, Planète Ragamuffin, Planète Reggae, Planète Ska, Planète Rock'n'Roll, Planète Blues, Planète Celtic, Planète Afrique, Planète Maghreb, Planète Rail. Planète, la collection des musiques qui bougent. Skyrock présente Sarah, l'album de Khaled, avec Aïcha. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, ton papa. Willy Eldarek. Mais aussi, le jour viendra. Khaled sont sur Sarah, un album indispensable. Aïcha. RTL présente la première compilation en 3 volumes de Johnny Hallyday. Les portes du pénitencier. Retiens la nuit. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. 1960-1966. Le premier des 3 volumes de cette compilation historique de Johnny Hallyday est en vente maintenant. Système de satellite Astra. La télévision numérique s'ouvre à vous. France 2, avec la Golf de Volkswagen, vous donne rendez-vous. Un vrai faux passeport, au nom de Louise Leroux. On n'est pas crédible. Non, je ne suis pas raciste. Tu n'as pas eu de problème, la douane. Tu n'as pas eu de problème. Elle est envoûtée par ce sorcier. Il est monumental, noir comme de l'encre. Je suis atteint dans ma virilité d'homme. Tu ne peux pas, ça n'est pas possible. Clarisse n'ayant pas peur des mots, il est noir. Il est même pas café au lait, il est noir, noir. Faux passeport, faux époux, vrai mari jaloux, Gérard Houry vous dit tout, ce soir, sur France 2. Sport de Troyes vous présente Vélo Club. Avec Hansa Plast, assistance médicale du Tour de France.